Salut tout le monde les gens, c'est Big Boss, j'espère que vous allez tous bien là. Les amis Big Bossien, Big Bossienne, excusez-moi. J'espère que vous allez tous bien, amis Big Bossien, Big Bossienne. Moi ça peut aller. Alors aujourd'hui un petit épisode sur la map Spider-Man V8. Donc logiquement on est à deux hein, avec DJC Renov, mais bon bah, pour le moment elle n'est pas là. Et donc maintenant on travaille ensemble, hein. Donc on a arrêté les séries et les deux fermes, hein, et puis mais on continue sur cette version là, et cette version là on était obligé de recommencer parce que c'était une mise à jour et on ne pouvait pas récupérer la sauvegarde. Donc on a tout refait et puis bon voilà, donc on avance tranquillement hein, on a travaillé un peu dur, donc du bois, copeaux, voilà, pour rattraper un peu dans la version V5 où il était arrêté DJC. Donc on arrive à peu près dans les stades d'égalité quoi, du matériel et puis comment, du stockage. Donc mais peut-être plus de la même façon hein. Bon mais enfin ça on n'y peut rien, ça on s'était sûr qu'on pouvait pas travailler de la même façon hein. Donc bon voilà, je suis en train de refaire ravitailler la brasse, pas la brasserie mais comment je ne sais plus le nom, ou ça doit être la brasserie peut-être, c'est pour faire la bière hein. Donc j'étais amené du houblon, là je vais amener de l'orge. Après on va amener de l'eau et ça sera paré, il y aura le plein, enfin il y a déjà à moitié hein, en stock et enfin en stock là-bas à la brasserie parce que c'est limité à 40 000, donc il y a déjà un peu quelque chose comme 20 000 déjà en stock. Donc on a mis en route donc les séries, le verger, la brasserie, plein de petits trucs comme ça, le moulin parce que pour faire de la farine, ouais tout ça, et puis on bat son cours. Hein. Donc on n'a pas cheaté la partie bien sûr, puisqu'on peut avoir l'argent directement avec le bois et les copeaux en coupant les arbres et puis en les vendant et puis voilà quoi. On a acheté, que je vous dis ça vite fait, c'est le 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 champs, on a 8 champs, donc on a dû en acheter 4 je crois. On a pas mal taffé. Mais pas mal taffé, mais c'est assez difficile quand même. Hein. Mais bon, on y arrive. Hein. Donc oui, bon bah, pour le moment, bah, sur Caucasus et puis les cadeaux de Caucas, hein, donc. Caucasus et puis la map Saxonia. Bon bah pour le moment bah ça va être en stand-by parce que ça fait un petit mois que j'ai pas vu
notre ami Proto. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Depuis un mois, sans nouvelles. Donc j'espère qu'il va bien. Qu'il n'y a pas eu de soucis de santé. Vous voyez, c'est 40 000, hein, on est à 24 000. Donc j'avais à peine mettre la moitié de la benne. Hein. Et puis pour pouvoir, parce que j'ai pas de sauvegarde de comment de les cadeaux de cocasse, parce que c'est on jouait sur serveur et c'est lui qui avait le serveur, hein, Proto. Donc pour le moment pas de nouvelles. Donc Proto, si tu regardes la vidéo, bah un petit coucou à toi, toute ta famille. Et puis reviens vite. Donc pourquoi parce que Caucasus c'est assez difficile, hein, il faut quand même qu'on comprenne bien le but du jeu, c'est vachement spécial. Et des parties que c'est en anglais et tout, Proto, bon, il est arrivé à traduire tout ça. Et donc tout seul, ça sera pratiquement infaisable. Hein, ou alors ça va traîner en longueur, alors ça vaut pas la peine. Et et la ferme et la map Saxonia, alors là c'est une immensité folle, hein, cette map. Quand je pense que le champ 50, si ma mémoire est bonne, je l'ai fait, c'était que des betteraves, j'avais mis 33 heures uniquement pour récolter. Donc vous voyez, si on n'est pas à plusieurs, bon bah c'est pas possible, on peut pas suivre des maps comme ça seul. Hein. Donc j'attends un peu, sinon il n'y aura pas de suite, hein, sur Caucasus et puis Saxonia. Je suis désolé, mais là. Donc pour le moment, on tourne sur Sudermen avec des JC. Hein, donc c'est la ferme à nous deux, du coup, maintenant. En stand-by aussi, c'est notre ami Fabien, alias Camor. Donc je le vois, hein, mais bon, moi, je pense qu'il a dû avoir un petit dégoût. Puis bon, il y a des trucs personnels à lui, hein, à résoudre. Donc il peut pas être partout non plus. Hein, et bon, déjà les soucis avant et puis le farming après. Hein, c'est pas farming qui nous nourrit, hein, c'est pas les vidéos non plus. Hein, faut pas vous inquiéter. D'autant plus que moi, je traite pas les vidéos. Hein, c'est vraiment pour le pur plaisir moi-même. Hein, c'est tout. Hein. Faire des petites vidéos détente comme ça et puis les mettre sur YouTube, c'est tout, hein. Je traite pas mes vidéos, hein. C'est moi, je suis pas rémunéré, hein. Alors après sur Valfarmer, il va y avoir suite, mais malheureusement et il y a la version V5 qui va sortir, donc voilà quoi, le souci, il faut refaire ce que j'étais en train de refaire, donc ça va prendre un petit moment, hein. Je compte 3 semaines, un bon mois même, hein, pour refaire pratiquement tout ce que j'avais fait auparavant. Donc voilà, je pense que DJC me donnera un petit coup de main, quoi, pour gagner un peu de temps, mais je compte quand même, sinon 3 semaines, un mois. Facile. Donc pour l'instant, il y aura des petites vidéos sur Sudermen. Je vous dis, là, je suis en mode solo, je n'avais pas prévenu que j'allais faire une vidéo, donc... Sinon, elle aurait été contente de le faire avec nous pour la première ensemble, quoi. Mais c'est pas grave. Puis, il n'y aura plus. On parlera comme ça, quoi. Hein, du puits, de la pluie et du beau temps. Hein, voilà. Hein, en disant ce qu'on va faire. Et puis, il n'y aura pas de titre. Hein, j'arrête ça aussi, les titres. Et puis, quoi. Je voulais vous faire un peu visiter un peu cette carte. Parce qu'il y a des belles cartes, hein. Alors je fais des vidéos aussi de présentation de maps, hein, sur celles des maps qui me plaisent. Je jouerai pas forcément parce qu'elles sont plus ou moins grandes. Mais présenter, quoi, leur donner un petit coup de cœur, quoi, à ces maps qui méritent d'être vues. Et puis voilà. Hein. Donc des épisodes par-ci par-là sur cette map-là, hein, Sudermen. V8, en français, comme vous pouvez voir. Hein, il y a un peu d'anglais, mais il y a quand même. C'est traduit en français. Ah, il ne veut pas me le
Ah bah oui, c'est R là, je crois. Ah non, mais il est. Voilà. Donc là, bah, j'ai rempli ça. Donc ça, c'est prêt. Alors pour faire de la bière sur cette map là, il faut de l'eau, du houblon et de l'orge. Comme ça, j'ai fait ça parce que juste avant de faire la vidéo, j'ai récolté le houblon. Donc je vais leur préparer le terrain pour ressemer parce que c'est un peu long à sortir le houblon. Donc on va faire ça. J'ai déjà traité le terrain, après le labourer et le semer. Bon, je sais pas si je vais tout faire en vidéo avec vous, mais bon, parce que le principe est toujours le même. Je pense que dans les vidéos qu'on fera maintenant, vous verrez plus les fabriques et tout, que plutôt voir travail des champs ou le bois, si, parce que pour faire voir les scieries où se trouve, bon, il y a des vertiges que vous avez déjà vu, mais bon, ça repassera dans le lot, quoi. Ça repassera dans le lot. Donc, bon, on n'a pas acheté tous les champs encore, hein, donc on avance petit à petit, hein, l'argent n'est pas facile à gagner non plus. On en gagne, mais on en dépense aussi, hein, il nous faut les machines, il nous faut... voilà, ça passe dans les champs, les machines, les outils. Donc, voilà. Alors peut-être que par la suite, bon, il y en a des youtubeurs qui ont déjà fait, hein, mais peut-être je ferai aussi des vidéos de présentation de des mottes concrets. C'est non, c'est pas concret, des nouveaux modes contest, voilà, contest, pas concret, c'est contest, des nouveaux modes qui méritent d'être vus. Hein, et puis tout en même temps, bah, on va faire les tests avec ces modes là, puis peut-être les changer, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait un FEN, là c'est le FEN 900, j'ai vu qu'il y avait en contest, il y avait le FEN 1000 Vario, avec des outils à travailler, donc on fera ça en test, des petites vidéos comme ça, voilà, hein, on fera ça avec ça. L'eau elle est gratuite, vous pouvez voir, bon, même que si je détache et ça continue à faire le plein. Donc j'ai dit, il faut que j'aille chercher ma chariote là pour traiter, parce que j'ai traité un coup le champ avant. Alors c'est là-dedans, voilà. Après, mais je vais faire peut-être des petites hélices, hein, ellipses. Ouais, mais dis donc, j'ai du mal aujourd'hui. Je ferai des petites ellipses pour... là, on va faire le plein de ça, on va commencer à traiter une ellipse, on commence à labourer une ellipse, et puis on va semer, et puis voilà quoi, ça fera la vidéo. Alors on n'a pas encore les animaux, hein, c'est pourtant il y a pas mal d'heures, mais ça va venir, ça va venir. Allez, on va aller chercher du compost. Alors, toutes les semences sont faites en bio. Si on n'a pas de compost pour traiter, pour l'instant on n'a pas de lisier, on n'a pas de fumier, donc on peut pas traiter avec ça. Donc on a fait que du compost, donc on va faire du compost et puis un peu voilà. Ou peut-être je le ferai en deux parties accompagné avec des JC, je ne sais pas. Là, les longueurs vidéo, hein, c'est selon le selon l'envie que j'ai à vouloir tourner, quoi. Allez, on va aller au champ du houblon. Je pense que vous, peut-être que vous en rappelez plus, donc on va refaire le trajet. Alors là, la map elle a été refaite, hein. Avant il n'y avait pas le rond-point, c'est DJC qui a fait le rond-point, hein. Un petit rond-point bien fleuri là, ça est gai. Là il y a des il y avait des arbres sur de chaque côté du champ, vous voyez, il y en a encore, hein, c'est des JC qui s'en occupent de ça. Hop, attendez, si j'arrive à... Alors, on va aller voir là-bas, on a le temps. Hein. Vous voyez, donc on est en train de les enlever parce que c'est un peu gênant. Quand on veut pour bien... donc on est en train de
déboiser tout ça, là, les allées, tout ce qui va gêner. Puis en même temps, on récupère les copeaux. Voilà. Il y a plein de travail. Hein. On fera du, bon, de ce qui viendra quand on fera une vidéo. Hein. Il n'y aura pas d'ordre précis. On fera un peu de tout et un peu de rien. Quoi. Bon, les seuls animaux qu'on a, hein, c'est les poupoules. Hein. C'est tout ce qu'on a. Hein. Hop. Donc on a les terrains à préparer là, à récolter aussi, ben le restant quoi. Hein. Je vais vous faire voir ça avant de commencer le traitement là. On a pas mal à faire. Et le houblon c'est un peu embêtant parce qu'on a qu'un champ là avec ses poteaux. Bon, on peut semer sur un champ normal, hein, mais il n'y aura pas les poteaux. Mais bon, je ne sais pas, mais parce que ça c'est long à pousser, et puis bon, bah, on n'en a pas beaucoup non plus. Hein. Alors, X. Allez, c'est parti. On va regarder si on se met là au milieu. Logiquement, ça va prendre les trois. Ouais. Bien, celui qui est remis, on dirait qu'il me lance du fumier là. Mais ça consomme pas beaucoup en terreau, en compost, pas en terreau. Hop, ça consomme pas beaucoup. On va se mettre ici. Désolé pour la bulle aérienne, mais il y a comme ça pour voir bien. Hein. Il y a comme ça pour bien voir. On prenne un peu sur la gauche là, pour bien faire le. On va sauter les lignes, hein, c'est pas. Hop. On n'utilise pas beaucoup de compost, hein. C'est ça qui est avantageux. Donc oui, tout à l'heure je vous disais faire du bio, mais comme j'ai pas d'engrais, enfin pas d'engrais, j'ai pas de fumier et tout, donc j'utilise un peu d'engrais pour le départ. Quand même, parce qu'il faut donner du rendement, hein, parce que c'est tellement long. Ah, là j'ai fait une connerie, bon c'est pas grave, l'engrais fera le restant. Voilà, bon bah je vais finir ça en hors vidéo et puis je vous reprends après quand pour faire un peu de labour. Voilà, allez à tout à l'heure les amis. Ouais, les amis. Bon, alors j'ai déposé la remorque sur un champ. Je vais chercher la charrue. Mon petit Jimba, Jimba ou Jimpa. Allez, hop. Voilà. Allez, c'est parti. On peut passer là-bas, comme ça vous allez voir plusieurs endroits. Pas passer toujours au même chemin. J'ai déposé là-bas parce que c'est le champ où il y a les ondins de passe à nous, et puis le champ où j'ai déposé les pendeurs, c'est à nous, où il y a la moissonneuse, c'est à nous aussi. Donc il y a du travail là, pour le moment.
faut produire, produire. Voilà. Donc là, ça va qu'il n'y a pas de collision sur les... sur les poteaux, parce que sinon on pourrait pas le faire. Il faudrait le faire avec une petite charrue. Alors on va refaire ça, on va le reprendre depuis le début là, parce que j'aime pas les rater moi. Voilà, allez, on va faire comme ça. Un peu de labour. Et on prend la semence. Et ça sera bien pour ce champ. Comme ça, après le houblon peut pousser tranquille. Alors toujours pas en mode saison. Hein. Pour le moment, ça nous intéresse pas plus que ça. Ça viendra peut-être, hein, mais pour l'instant, peut-être que sur Valfermeur je le mettrai. Je ne sais pas, je suis pas sûr. On va voir ça. Allez, on va refaire un aller, peut-être un retour. Et on finira ça hors vidéo. Voilà, on va mettre les pneus à l'extérieur, comme ça, on fait tout. Ah oui, mais même en mettant les pneus à l'extérieur, je vais les rater. Voilà. Bon bah c'est une rangée et demie. Hein. Une rangée et demie. Pap, 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 pap. Désolé. Voilà. Mettra un petit fond musical, hein, comme d'habitude. Parce que là, il y a la radio, mais bon, j'avais fait un test une fois, sans que je l'avais déjà dit. Hein. Certains pays veulent pas laisser passer la vidéo. Faudra que je refasse le tri, mais je crois que c'est pareil. Hein. Tant que ça passe sur la radio comme ça, ils veulent pas. Alors, faut mettre des musiques sans droit d'auteur. Bon, enfin, ça sera fait dans le montage et puis c'est pas bien le souci ça. Bon bah voilà les amis bibossiens, je vous dis à tout à l'heure pour la suite, hein, pour la semence de houblon. Voilà, allez, à tout à l'heure. Bon bah voilà les amis, la partie labour elle est finie. Allez hop, on rallume les gyrophares. Je l'avais coupé parce que sur le champ c'est pas obligatoire. Et là comme on va sur la route, objet. Donc on va aller chercher la... comment le semoir et puis on va faire ça, commencer à semer le houblon. Donc comme vous avez pu voir, hein, il y a une bonne 20 minutes hein, pour faire le champ. Donc l'appareil est lourd, alors donc on va pas fort vite pour labourer. Hein. Ça à sa place.
Donc, cette machine à droite, là, vous l'avez déjà vue, hein, je vous l'ai déjà présentée sur une de mes vidéos. Alors, je ne me rappelle plus si c'est celui-là ou si c'est l'autre. Parce que je vais le prendre avec de l'engrais. Fortifier tout ça, quand même. Là, je suis obligé. La prochaine fois, ça sera plus fortifié avec du fumier ou du lisier. Mais là, pour l'instant, je vais fortifier avec ça. Alors, par contre, je ne sais plus si c'est celui-là. On va savoir ça de la suite. Alors, c'est pas celui-là. Ça doit être l'autre. Il a dû s'amuser quand même le DJC là pour faire ce rond-point là. Voilà, c'est ça. Et en plus ça le plein. Donc là, houblon, ça c'est soja, maïs, betterave, tournesol. Ah bah il va pas me faire le houblon. Bon bah je suis obligé de prendre l'autre, tant pis, il sera pas fortifié. Je suis obligé de prendre l'autre. C'est pas grave. Alors ça c'est du seigle. Houblon, voilà. Alors, comment je pratique? Donc, je vais vous expliquer vite fait la machine. Hein, on pourra faire un petit rappel en même temps. Donc, quand je m'étais servi de cette machine-là, c'était pour faire mettre les palettes, enfin les pommes de terre en sac. Voilà. Mais cette machine, elle fait pas que les pommes de terre. Hein, elle fait tout. Un peu le lait, la paille. Là, c'est la semence. Alors là, comme ça, je mets la semence dedans. Après je sors en palette là comme vous voyez. Alors après il faut chercher le bon sens. Bon il y en a hein, mais je crois que je vais peut-être pas en avoir assez. Voilà, on va baisser. Et bon il va encore faire des siennes. Voilà. Donc ça c'est les semences qu'on a fabriquées nous-mêmes. Et les semences on les fabrique là, dans la ferme. Hein. C'est tout pratiquement la ferme, vous voyez, ça en fabrique là-bas. Donc on peut fabriquer aussi son engrais, hein, mais pour l'instant comme j'ai pas de lisier et puis de fumier, je peux pas fabriquer mon engrais. Donc dans la trémie, la première trémie là que vous voyez, passerelle, ben, on met du blé. Que du blé et puis ça nous fabrique des semences. Voilà, comme ça après les semences on n'a plus besoin de payer, c'est notre propre culture qui fait les semences, enfin le blé quoi. Elles sont lourdes hein, les outils. Hein. Ils sont lourds, sont lourds. Pour ça que la prochaine fois, bon ben avec les modes qu'on teste, voir si c'est plus intéressant, ben, se servir des modes qu'on teste. Hein, on remplacera ça. Hein, parce qu'il faut savoir aussi, comme ils disent au départ du jeu, plus la machine vieillit, plus elle coûte cher en réparation. Hein, c'est tous les jours en réparation, en une sauvegarde. Tous les jours en réparation hein, à partir de 24 heures et puis voilà quoi, plus ça vieillit, plus comme vous pouvez voir j'ai quand même pratiquement 26 heures dessus. Hein. Bon alors là on va faire 2-3 rangs hein, et puis ce sera bon pour la vidéo. Voilà, donc on démarre, B, hop, et c'est parti. Et là on peut faire qu'une alignée à la fois. Hein. Donc
Allez. Et ça sera prêt. Alors je ne sais pas le rendement que ça va me donner. J'ai eu à quelque chose comme 25 000 tout à l'heure quand je l'ai récolté, mais il n'était pas traité. Pas d'engrais, pas de compost. Bon, bah là, il y a du compost supplémentaire. On verra le rendement la prochaine fois. Si des fois ça suffit. Hein. C'est labouré. On gagne 10% de rendement sur le quand on laboure. Donc, on verra ça. Ça fait pas très RP hein, avec le tracteur qui passe à travers les poteaux là, mais bon bah on peut pas les enlever, on peut pas les remettre. Hein. Ça serait plus intéressant qu'on pouvait les enlever et les remettre une fois qu'on avait fini, mais on peut pas. Bon, ceci hein, c'est pas grave. Hein. Alors peut-être que j'instaurerai des autres modes aussi, les modes là que j'utilisais sur Valfermeur, des tracteurs un peu plus gros, un peu plus skinnés, pour donner un peu plus de valeur au contenu quoi. Puis ça changera, vous verrez d'autres tracteurs. Hein. Voilà. Alors sur ce, bah, chers amis bibossiens, bibossiennes, j'espère que cette vidéo vous plaira ou vous aura plu. Si vous avez aimé, bah, laissez un pouce bleu, hein, ça me fera plaisir. Si vous aimez pas, mettez un pouce rouge et me dites pourquoi. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, abonnez-vous, hein, c'est gratuit. Ou juste un compte Gmail, hein, je l'ai dit déjà la dernière fois, hein, c'est gratuit le compte Gmail. Hein, comme si vous ouvrez un compte... Désolé, j'avais coupé la vidéo. Je suis trompé de bouton pour relever ma... Bon, c'est moi. Oui, donc, bon, bah, pour créer un compte, hein, comme n'importe quel compte que vous allez créer, hein, c'est gratuit, hein, vous inquiétez pas. Sur ce, bah, je vous dis à la prochaine hein, pour de nouvelles aventures sur la map Sudermen version 8. Et j'espère que je serai en compagnie de DJ Sirenov, hein, mon frère. Pour des nouveaux épisodes. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Bye bye, ciao. Merci bien à tous.